Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vous montre les petites cartes de nommé du mois de mai. Donc, qui dit mois de mai, dit mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est le mois de mars, hein, avril. J'ai encore pas mis là, hein, mais je vais le faire, je vous montrerai. Donc, voilà les cartes du mois de... Oh, j'allais dire, il m'en manque une, mais non. Attendez que je les mette bien dans l'ordre, parce que sinon... Voilà celle du mois de mai. Alors c'est mai, fais ce qu'il te plaît. Donc j'ai fait bah, ce qui me plaisait, ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Donc il y en a, c'est, y a pas de thème particulier. Hein, donc c'est pareil, vous, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà la première, comme ceci. Donc c'est la première que j'ai faite. Hein, voilà. Avec un fond, c'est un tampon. Oh, c'est un vieux tampon que j'ai, mais je ne peux pas vous dire la marque, je ne me rappelle plus. Avec des papillons comme ceci, papillons avec des yeux. Et puis, je l'ai trouvé pas mal. J'ai dit, tiens, je vais en faire une comme ça. Donc, ça, c'est la 1. Voilà. Ça, c'est la 2. Donc, la 2, elle est faite avec des. Ça, je me suis acheté ça et les fleurs sur AliExpress pour faire mon art journal. Donc, voilà. Je dis, tiens, je vais faire une carte avec ça. Une petite poupette là. C'est des rouleaux de petites filles comme ceci. C'est la deuxième. Je vais les mettre dessus. La troisième. Alors la troisième, c'est un fond. J'ai fait mon fond. Alors j'ai mis avec de l'encre bleue. Après, avec de la Versafine bleue, j'ai comment je veux dire, j'ai froissé un. Enfin, j'avais un bout de d'alu. Qui était, que j'avais utilisé qui n'était pas sale, donc je l'ai froissé et je l'ai réétalé après, j'ai mis de l'encre dessus et j'ai tamponné sur mon fond. Donc ça fait des marques un peu comme ça, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes marques, mais ça fait un peu des marques un peu n'importe comment. Voilà, j'ai mis un tampon Dolan Créate et des die cut Dolan Créate, comme ceci. Donc là, c'est mon petit piou-piou. Mon petit piou-piou. Alors le fond, c'est pareil avec mes encres. Mes encres, c'est Distress, hein. C'est un pochoir de Graffiti Girl. Mon piou-piou est de... Ah, bah mince, je sais plus. C'est Carabel Studio. Voilà. Mon petit piou-piou. Là, c'est des papillons. Alors, le fond, pareil, j'ai teinté, mais là, je la trouve un petit peu sombre quand même. Mais bon. J'ai fait un fond avec un fond avec du vert. Mat avec du marron, j'ai mis un tampon Dolan Créate, et là c'est des papillons de chez Stampin' Up. C'était un lot de tampons, il y a plusieurs tampons avec les perforatrices. Donc, vous voyez, je mets trop. Il y a longtemps que j'avais acheté ça, je m'en ai jamais servi. Vous voyez, c'est les premiers papillons que je fais avec. Voilà, comme ça, comme ceci. Donc ça c'est la cinquième, et ça c'est la sixième. Alors la sixième, j'ai voulu faire un peu comme du collage. Donc j'ai fait un fond à la teinture, à l'encre claire. J'ai mis un pochoir rose de fleurs. Et puis là, j'ai collé des trucs. J'ai collé, ça c'est du ruban, ça aussi. Ça c'est un thym, ça c'est du ruban. Puis ça c'est une étiquette que je me suis achetée sur AliExpress aussi. Et ça c'est un papillon. Voilà, j'y tiens, je vais faire un peu de collage. Moi c'est un peu comme celle-là aussi, un peu de collage. Voilà, donc vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ben, si vous voulez faire un échange avec moi, ben, vous me le dites, hein. Je vous mets mon adresse mail, ceux qui n'ont pas mon adresse, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos pour que vous me donniez votre adresse et puis que je vous donne la mienne, hein. Voilà, et ben, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon dimanche et puis une bonne semaine. Au revoir.